Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Super, merci. Donc là, on va voir vraiment une partie d'introduction sur ce que sont les bases de données, à quoi ça peut servir, quels sont les principes de base, les buts des bases de données. Et ensuite, on va attaquer dans une deuxième partie comment est-ce qu'on va procéder à modéliser, à construire une base de données depuis la partie conceptuelle, depuis la base sur comment est-ce qu'on va réfléchir la base de données. Alors, donc tout d'abord, si on parle de base de données, on va faire intervenir plusieurs notions. Donc la première notion importante, c'est la notion de système d'information. Qu'est-ce que ça va être un système d'information? Ensuite, évidemment, comme le nom du cours va faire apparaître un autre concept super important, sera le concept de base de données. Et on va également faire intervenir un troisième concept qui est super important, qui est le système de gestion de base de données. Donc, en anglais, ça va être Database Management System. Donc ça, vous allez pouvoir le trouver en anglais si vous cherchez des informations en anglais. En français, ça sera système de gestion de base de données. Donc, tout d'abord, si on regarde le premier terme ici, le système d'information, on peut essayer de décortiquer ce que ça peut vouloir dire. Donc, à l'intérieur, on a, donc, si on regarde ces concepts-là, qu'est-ce qui ressort, disons? On a système, on a information et on a données. Ce sont les mots les plus importants qui ressortent dans ces trois concepts-là. Alors, normalement, je faisais participer les gens. Là, on va essayer de peut-être de gagner un peu de temps. Sauf si quelqu'un a tout de suite une idée de ce que ça pourrait être un système. Est-ce que quelqu'un a une idée de définition de ce que c'est un système? Comment est-ce qu'on pourrait définir un système? Et sinon, une donnée, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être une définition de donnée? C'est un terme qu'on utilise très souvent, mais est-ce que vous avez du coup une idée de comment est-ce qu'on pourrait définir une donnée ou une information, quelle pourrait être la différence entre les deux? Justement, moi, une donnée, j'aurais défini ça comme de l'information, mais du coup, je ne saurais pas là comment faire la différence. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Comment différencier données et informations? C'est vrai que ce sont deux concepts qu'on a tendance à utiliser de manière interchangeable. Et en fait, il y a quelques différences entre les deux. Peut-être qu'une donnée, c'est plus précis, ça peut être un chiffre, par exemple. Oui, en effet. Donc, les données, ça va être des chiffres, ce genre d'éléments. Et les informations, en fait, on va le voir tout de suite, ça sera des données qu'on va structurer. On va pouvoir extraire de la connaissance à partir de ces données-là. Donc, si on regarde les définitions maintenant, un système, ça va être quoi? Ça va être un ensemble d'éléments qui seront en interaction les uns avec les autres. Et cette interaction se fera selon certains principes. Donc la notion de système, finalement, elle est très très large. Elle va au-delà de l'informatique, évidemment. C'est un mot qu'on entend tout le temps. Et en gros, c'est quoi un système? Ça va être voilà, un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon certains principes. Donc on peut avoir un système d'organismes vivants qui interagissent entre eux, un système trophique, par exemple. Où on peut avoir un système informatique avec différents programmes qui interagissent entre eux, différents programmes, différentes fonctions, disons, qui interagissent entre elles selon certains principes. Ils envoient des données, reçoivent des données, traitent des données, etc. La notion de données, ça va être un ensemble d'observations ou de mesures ou de faits. Voilà. Donc, lorsque vous évoquiez la notion de chiffres, par exemple, ça sera une donnée. Donc, on a un ensemble de données. Si on veut aller un peu plus bas encore dans la définition, ça peut être même un ensemble de symboles qu'on note quelque part ou qu'on stocke quelque part.
et qui vont constituer donc des messages potentiels. Et c'est lorsqu'on va traiter ces symboles, lorsqu'on va traiter ces données, pour extraire de la connaissance, que ces données-là vont devenir de l'information. Voilà, donc c'est là la différence entre données, qui va être juste ces symboles ou ces mesures brutes, et l'information qui va être le fait de mettre, d'organiser ces données-là, d'organiser ces symboles-là, afin d'extraire de la connaissance. Ou à partir de ces informations-là, on va pouvoir extraire de la connaissance. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer que même des termes qu'on utilise souvent, lorsqu'on essaie de les creuser un peu, les définitions ne sont pas tout de suite évidentes. Et là, en fait, ce sont des termes qu'on va utiliser souvent. Donc là, pour le système, c'est le système de gestion de base de données. Donc ça va être un ensemble d'éléments, donc de fonctions, de programmes qui vont interagir entre eux pour traiter les données. Donc les données, ça sera quoi? Ça sera juste des symboles stockés dans la mémoire. Et afin d'extraire de l'information, donc on va faire des requêtes à travers ce système de gestion de base de données pour extraire dans notre base de données, dans notre ensemble de données, de l'information qui sera pertinente pour l'utilisateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que va essayer de faire le système de gestion de base de données? Ou qu'est-ce que c'est d'abord que le système de gestion, le système d'information, pardon, ça va être un ensemble de ressources, et ressources au sens large, que ce soit des personnes, du hardware, du software, des méthodes, même des méthodes d'un point de vue conceptuel, qui vont permettre la collection de l'information, le stockage de l'information, l'analyse et la requête de l'information. En regardant les données, et comment est-ce qu'on va disséminer l'information, comment est-ce qu'on va transmettre l'information. Il va y avoir différentes formes d'organisation et différentes méthodologies pour concevoir ces systèmes d'information, donc qui vont nous permettre principalement ces quatre choses-là, de collecter l'information, la stocker, l'analyser et faire des requêtes pour extraire des choses pertinentes, et comment disséminer l'information. Donc ça va être un concept qui va être plus large que celui de système de gestion de base de données. Ça va englober cette notion-là. Et ça va bien au-delà, parce qu'on ne va pas seulement parler de software ou de hardware et software, on va également inclure les personnes ou les méthodologies dans ces définitions-là. Alors ça, c'est plutôt pour votre culture générale, en fait. Donc, c'est toutes ces définitions que je vous donne. C'est des concepts que vous allez pouvoir, des termes que vous allez pouvoir rencontrer par ailleurs. Et je pense que c'est important pour votre culture générale de savoir ce que ça va englober comme information. Donc, si on regarde maintenant la définition d'une base de données, comme je vous l'ai déjà plus ou moins dit, alors une base de données, ça va être un ensemble de données qui vont être accessibles et utilisables à travers un système informatique. D'accord? Donc, vous avez des données qui sont stockées dans un certain format dans votre ordinateur. Et cet ensemble de données-là vont pouvoir être réutilisables et accessibles à partir d'un système informatique. Alors, ces données-là, elles pourraient être rangées en vrac, dans le désordre, quelque part. C'est possible. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les stocker de manière plus organisée, à travers, en suivant un modèle. Donc, lorsqu'on va créer une base de données, on va d'une certaine façon modéliser comment est-ce que vont s'organiser les informations qu'on va stocker sur les objets réels. D'accord? Donc, on va, par exemple, si on doit modéliser un hôpital, le fonctionnement d'un hôpital, on va devoir traiter différents
différents objets réels. Donc, par exemple, on va devoir modéliser ce que c'est qu'un médecin, donc quelles informations, quelles données on va stocker pour un médecin donné. Et donc, on va devoir modéliser ce que c'est qu'un médecin, ou en tout cas, quelles informations du médecin est-ce qu'on va stocker. Donc, par exemple, on pourrait stocker son nom, son numéro d'identification, sa spécialité, etc. Donc, voilà, on va devoir vraiment créer un modèle de ce qu'on entend par un médecin ou par une salle d'opération, par exemple. Voilà. Et cette modélisation-là va nous permettre de bien organiser notre base de données. Et donc, ça, on va également devoir le concevoir en fonction du type d'application informatique qu'on va devoir faire après, du type de traitement qu'on va devoir faire après. Voilà, tout ça pour vous dire que notre base de données, c'est juste, OK, on met des données, on a des données qui sont stockées quelque part, elles peuvent être accessibles à travers un système informatique, et comment est-ce qu'on va les stocker? On va les stocker selon un modèle. On peut les stocker en vrac, oui, mais le plus souvent, on va les stocker selon un certain modèle. Qui sera donc utile en fonction des applications qu'on veut faire. Donc là, on a défini ce que c'est qu'un système d'information au sens large. On a défini ce que c'est qu'une base de données. Donc là, on commence à rentrer un peu plus précisément dans des concepts un peu plus précis. Et là, on va voir du coup ce que c'est qu'un système de gestion de base de données. Alors, un système de gestion de base de données, ça va être un ensemble de programmes, du software, qui va permettre de gérer une base de données. Donc, lorsque je vous disais que la base de données, c'était un ensemble de données accessibles à travers un système informatique, le système informatique qui va pouvoir y accéder, c'est notre système de gestion de base de données. Il porte ce nom-là, en fait. Alors, quels sont les objectifs? L'objectif principal du système de gestion de base de données, c'est, comme le nom l'indique, de gérer cette base de données, donc de pouvoir accéder, traiter les informations qui sont dans la base de données. Alors, quels vont être, si on essaie de décortiquer cet objectif macro du système de gestion de base de données, qui est, de, comme le nom l'indique, de gérer la base de données, quels pourraient être les sous-objectifs du système de gestion de base de données? Alors, les principaux objectifs vont être les suivants. Donc, le premier, c'est de sauvegarder les données. On fait appel au concept de persistance. Donc, les données vont persister, vont être stockées, vont être gardées quelque part. Et donc, le stockage des données va être géré par notre système de gestion de base de données. Également, la structure des données. Donc, la structure des données va être gérée par notre système de gestion de base de données. Les données vont être structurées par ce système-là. Également, tout ce qui est requête d'information. Donc, si on a besoin de chercher une information précise dans notre ensemble de données, ben, on va passer par le système de gestion de base de données. Et également, si on a besoin de modifier des éléments de la base de données, on va faire appel à ce système de gestion. D'accord? Donc, si on veut stocker, on veut changer la structure, modifier la structure, on veut chercher de l'information, on veut modifier des informations qui sont dans notre base de données, on passe par notre système de gestion de base de données. Alors, si on regarde ces quatre éléments-là, et en particulier, si on se met dans des contextes particuliers, par exemple, si on se place dans un contexte de données sensibles, par exemple, dans un hôpital ou dans une banque, on va devoir concevoir un système de gestion qui est capable de garantir certaines contraintes sur cette sauvegarde, par exemple, ou cette modification. Donc, par exemple, si on fait un transfert d'un compte vers un autre compte pour une banque, par exemple, on doit garantir certaines contraintes. Est-ce que vous avez des idées sur les contraintes qu'on va devoir garantir?
Par exemple, si on reprend l'exemple du transfert d'argent entre deux comptes bancaires, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas, quelqu'un voudrait éviter, par exemple. On voudrait pas qu'il y ait de la création d'argent, donc un Oui. transfert d'un compte vers un autre, et que on débite de quelque part et on crédite de quelque part, mais soit on débite mal, soit on crédite mal, du coup on ait de la perte d'argent ou de l'argent en trop, justement. Exactement, oui, exactement. Donc, on voudrait éviter que par un quelconque problème, par exemple une panne d'électricité ou quoi que ce soit, l'argent qui devait être débité d'un compte n'est pas débité et on crée de l'argent dans l'autre compte, par exemple. Ou l'inverse, on n'aimerait pas que, on est en train de débiter de l'argent de ce compte-là, on va faire le transfert et il y a une panne d'électricité ou il y a un quelconque problème et finalement, l'argent disparaît en cours de route. Voilà, on voudrait éviter qu'il y ait ces types de problèmes-là. Et donc, ces objectifs-là, on va avoir un ensemble de contraintes ou de propriétés qui vont garantir le bon fonctionnement du système de gestion de base de données. Vous allez pouvoir rencontrer ce terme-là, le terme ACID. Ça fait référence aux propriétés que devraient avoir les bases de données ou le système de gestion de bases de données pour que les transactions, les opérations qu'on fait sur notre base de données soient ou gardent une certaine validité ou une certaine contrainte de validité sur notre base de données. Alors, cette contrainte de validité, c'est nous qui allons la définir en fonction de l'utilisation qu'on va devoir faire, mais donc ce concept des propriétés acides, vont être importantes pour caractériser un système de gestion de base de données. Il y en a plusieurs qui ne vont pas garantir ces propriétés-là. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelle acide? C'est dû au fait des quatre concepts qu'ils vont englober, en fait. A pour atomicité, C pour consistance, I pour isolation et D pour durabilité. D'accord? C'est un terme que vous allez pouvoir rencontrer si vous faites un peu de. Si vous regardez un peu des informations sur les bases de données, c'est un terme qui revient un peu souvent. Alors, atomicité, qu'est-ce qu'on entend par atomicité? C'est qu'on va traiter une transaction qui aurait pu être multiple. Donc, par exemple, si on dit transfert d'argent d'un compte vers un autre, de manière sous-jacente, on a plusieurs étapes. Alors, quelles vont être les étapes? Ça va être peut-être d'abord de vérifier qu'il y a de l'argent dans le compte de départ, que le compte d'arrivée existe bien, débiter l'argent du compte de départ, créditer le compte d'arrivée. Voilà, donc il y a plusieurs étapes dans la transaction. Mais on va traiter cette transaction-là comme unique, comme une unité. Donc, s'il y a un problème, c'est toute l'unité, toute la transaction qui plante. Et ce n'est pas qu'une partie de la transaction qui plante. Donc, typiquement, si on reprend l'exemple du transfert d'argent bancaire, cette atomicité va nous permettre déjà de garantir une part de validité. Donc, si on va traiter le transfert d'argent comme une seule unité, on va éviter d'avoir ce problème de création d'argent ou de disparition d'argent et donc de transaction qui sera invalide, qui va nous créer une base de données qui sera invalide. Donc, si on regarde C maintenant, le deuxième concept, c'est consistance. Alors, la consistance, c'est quoi? C'est qu'une transaction, donc une opération sur la base de données, nous amène d'un état valide vers un autre état valide. Alors, la validité d'un état, c'est quelque chose qu'on va définir a priori, d'accord? Donc, on définit ce que c'est qu'un état valide et on s'assure ensuite que notre système de gestion nous amène, à travers les différentes transactions, d'état valide vers un autre état valide. On ne peut pas avoir un passage d'un état valide vers un état invalide pour la base de données. Donc, ça va garantir le fait qu'il n'y a pas de corruption dans notre base de données.
Le troisième point, c'est l'isolation. Alors, l'isolation, c'est quoi? C'est un concept qui rentre lorsque on va être amené à faire un traitement avec des personnes, plusieurs personnes en même temps, en concurrence. Donc, l'exemple de la banque est typiquement un bon exemple. Plusieurs personnes vont pouvoir faire des virements ou des retraits simultanément. Donc, l'isolation permet en fait de gérer cette concurrence. Donc, ce n'est pas parce que plusieurs personnes peuvent faire des opérations en même temps que on va introduire des inconsistances. Et en fait, l'isolation permet de garantir que même si des gens font des opérations plus ou moins en même temps, le résultat de ces opérations sera le même que celui des opérations faites de manière séquentielle. D'accord? Et donc, ça permet également de gérer ces problèmes de validité dus à un accès concurrentiel à la base de données. Typiquement, imaginons que quelqu'un veut, si on prend l'exemple de notre base de données de l'hôpital, quelqu'un veut accéder à la fiche d'un médecin, aux informations d'un médecin, par exemple, au nom et à la spécialité d'un médecin. Et en même temps, il y a une personne qui essaie d'effacer le médecin. Par exemple, le médecin ne travaille plus à cet hôpital-là, et donc elle va essayer d'effacer le médecin. Et donc là, vous avez un accès concurrentiel à la même information. Donc l'information, c'est quoi? C'est la ligne ou le bloc d'information qui concerne le médecin. Il y a une personne qui demande des informations sur le médecin, l'autre personne qui essaye d'effacer le médecin. Là, vous avez un accès concurrentiel. Et donc, si vous n'avez pas un système de gestion qui gère ça, vous allez avoir possiblement des inconsistances. Donc, c'est un point qui doit être géré par le système de gestion de base de données. Finalement, si on regarde le dernier, c'est D, c'est la durabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une transaction qui est complète, qui a abouti, elle va être persistante. Donc, elle va être stockée de manière durable dans la base de données. Donc, si on fait le transfert d'argent, on est sûr que si le transfert d'argent est arrivé au bout, c'est une opération valide, elle a été validée, elle est arrivée au bout, alors on est sûr que les modifications ont été enregistrées de manière persistante. Voilà, donc on est sûr que même si une seconde après il y a une panne de courant, l'information est stockée de manière pérenne, d'accord? Donc dans un disque dur quelque part, voilà. Donc voilà, ces quatre éléments-là qui vont caractériser les bonnes propriétés d'un système de gestion de base de données. Alors, il faut savoir qu'en fonction des besoins ou de l'utilisation qu'on fait du système de gestion de base de données, sur quoi on l'applique, les systèmes de gestion ne vont pas tous avoir ces quatre propriétés. Il y en a quelques-uns qui vont sacrifier certaines de ces propriétés pour être plus rapide, par exemple, ou pour traiter des masses de données plus rapidement ou plus facilement. Et donc, elles vont sacrifier certaines de ces propriétés. Alors, il faudra savoir quelles propriétés sont sacrifiées pour savoir si on peut utiliser le système de gestion de base de données en question pour une application donnée ou pas. Voilà, donc ça va être un critère important. Si on regarde maintenant les objectifs de ces systèmes de gestion de base de données dans ce qu'on appelle l'ère du big data, c'est peut-être un terme que vous avez déjà rencontré, le big data, gros données. C'est quoi déjà le big data? Ça va être le fait de devoir traiter des gros volumes de données de manière très général. Donc, ça peut être de grosses données en bioinformatique, par exemple, où vous allez être amené à traiter de gros volumes de données.
Ça peut être le cas de gros volumes de données, c'est pas dans un réseau social, par exemple, vous avez des données sur des utilisateurs d'un réseau social, et donc vous êtes dans un cadre de big data parce que vous avez énormément de données à traiter. Et vous êtes de plus en plus, on est dans ce cadre-là parce qu'il devient de plus en plus facile de stocker de l'information. Le stockage ne coûte plus extrêmement cher, donc on a tendance à stocker de plus en plus d'informations. Et donc, on est également de plus en plus confronté à devoir gérer des gros volumes de données. Voilà. Même si c'est donc ça, c'est même vous allez même pouvoir rencontrer ça dans des entreprises, par exemple, où on va stocker des choses comme, par exemple, les logs, c'est-à-dire le bon accès ou pas des utilisateurs sur telle application, par exemple. On peut stocker s'il y a eu des erreurs ou pas d'erreurs, on peut stocker tout ça. Ça ne coûte pas très cher. Et ensuite, on a besoin d'accéder à ces ou de chercher de l'information pertinente là-dedans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Et évidemment, ça va avoir un impact dans tout ce qui est gestion de base de données parce qu'on va devoir gérer ces gros volumes de données. Et donc, on va avoir besoin de données, de structures de données qui vont être efficaces, qui vont devoir permettre un accès rapide au gros volume de données. Également, on va devoir gérer le fait que les applications vont être à gros débit, c'est-à-dire que non seulement elles doivent traiter, stocker les gros volumes de données de manière efficace, mais elles doivent donner un accès rapide. Donc, on a énormément de transactions par heure, par exemple, ou par minute, des millions de transactions, des millions d'opérations qui se font sur la base de données et sur une base de données qui est déjà très grosse. Donc, on va devoir gérer ces deux volets-là, efficacité dans le stockage et vitesse dans le traitement. Donc, on va pouvoir, en fonction de ce qu'on veut faire, sacrifier l'un des deux. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de. Ou bien on va devoir sacrifier l'efficacité dans la compression, si vous voulez, ou dans le volume. Donc, on va peut-être être amené à avoir des volumes plus importants pour avoir un accès plus rapide à l'information. Ou inversement, on va sacrifier la vitesse pour avoir une meilleure gestion du volume de données. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va. C'est un trade-off qu'on va devoir rencontrer assez souvent. Et encore une fois, ça va dépendre de l'application qu'on va faire pour choisir si on doit stocker de manière plus compacte les gros volumes de données ou si ce n'est pas grave, on explose un peu en termes de volume, mais on a un accès beaucoup plus rapide à l'information. Peut-être juste une parenthèse historique. Avant, il était beaucoup plus cher de stocker de l'information. Et donc, tous les systèmes de gestion un peu plus anciens ou plus historiques, disons, et qui continuent à s'appliquer énormément, privilégiaient le fait d'avoir une structure de données très efficace qui allait minimiser la quantité d'informations à stocker. Et de plus en plus, le coût en termes de stockage diminue. Et par contre, on a de plus en plus de pression en termes de vitesse d'exploitation. Et donc, on a tendance à développer de nouveaux systèmes de gestion de base de données qui ne vont plus stocker de manière très efficace les données et qui vont, au contraire, privilégier un accès rapide. Mais bon, c'est un trade-off qui va dépendre de l'application à traiter. Voilà. Alors, il y a un autre volet important qui concerne les objectifs des systèmes de gestion de base de données, qui sont les utilisateurs. Alors, on peut avoir différents
types d'utilisateurs qui vont accéder au système de gestion de base de données. Donc, tout d'abord, si on regarde les utilisateurs, on peut avoir un concept qui est lié à la, aux données sensibles. C'est-à-dire que pas tous les utilisateurs peuvent avoir accès à toutes les informations. Donc, le système de gestion doit garantir que les données sensibles ne pourront pas être consultées par tout le monde. Donc, ça nous permet de rentrer dans la considération suivante. Donc, le software, donc les programmes, doivent être, dans certains cas, très sécurisés et également doivent garantir le fait qu'il n'y a pas de, de corruption ou de modification de ces données-là. Donc, la trustabilité, ça va être le fait de pouvoir y faire confiance. Voilà. C'est des données sensibles, on va vouloir qu'elles soient sécurisées et en même temps qu'elles soient vraies, qu'il n'y ait pas de corruption possible ou de modification possible. Typiquement, dans tout ce qui est monde hospitalier, ce sont des données très sensibles, les données patients, et les programmes qui vont devoir gérer ce type de données-là vont être confrontés à ces considérations-là. Un autre point qui fait référence aux utilisateurs qu'on a déjà plus ou moins traité, c'est l'exploitation du système de gestion de base de données par différents utilisateurs en même temps, différents types d'utilisateurs. Donc, ça peut être des utilisateurs qui ont les droits de modification. Donc, dans l'exemple que je vous disais, quelqu'un peut éliminer ou modifier les informations sur un médecin. Donc, ça, c'est un type d'utilisateur qui a les droits d'écriture, si vous voulez, et un autre utilisateur qui peut juste avoir les droits d'accès. Donc, il va venir voir quelle est la spécialité de tel médecin. Donc là, vous avez deux types d'utilisateurs ou plusieurs types d'utilisateurs, et donc, ils doivent pouvoir être traités ou doivent pouvoir accéder aux informations et faire les requêtes dont ils ont besoin par le même système de gestion de base de données. Donc là, on distinguait par exemple deux rôles, un rôle plus d'administrateur qui va pouvoir faire les modifications et un rôle d'utilisateur qui va pouvoir juste regarder les informations sans écrire, mais vous allez pouvoir avoir différents types d'utilisateurs qui vont coexister. Et le troisième point qu'on a déjà évoqué également, c'est celui des multi-utilisateurs, donc qui vont faire des requêtes ou des opérations en même temps, en concurrence. Et donc ça, ça fait directement référence au contrôle de concurrence qu'on a vu précédemment. Alors, il y a un autre concept qui est super important sur les objectifs du système de gestion de base de données, c'est l'indépendance entre deux mondes, si vous voulez. Il y a le monde physique et il y a le monde logique. Donc, lorsqu'on essaie d'avoir une indépendance entre les deux, ça veut dire que si jamais, d'un point de vue physique, on a des modifications qui se mettent en place, par exemple, une nouvelle façon de stocker les données qui soit plus, plus efficace, par exemple, ou des changements pour y accéder de manière, encore une fois, très bas niveau, qui font appel, par exemple, à la mémoire, des choses comme ça. On ne veut pas que la personne qui va faire des requêtes d'un point de vue juste logique, donc, par exemple, qui veut savoir quelle est la spécialité de tel médecin, on ne veut pas que la personne qui fait cette requête-là ait à se poser des questions sur la base physique, c'est-à-dire comment va fonctionner, va être gérée la mémoire en interne. Voilà, donc on va essayer de garder une forte indépendance entre les deux. On va pouvoir faire des modifications physiques, c'est-à-dire sur la manière d'accéder à la mémoire, aux informations, de stocker les informations, sans qu'il y ait une répercussion sur l'aspect logique, c'est-à-dire sur l'utilisateur, quand il va faire une requête, il n'aura pas à se poser des questions sur la partie physique. Et inversement, les personnes qui vont devoir coder, par exemple, une nouvelle façon de stocker les données, on veut que ça soit totalement indépendant
du fait de devoir en même temps devoir concevoir comment est-ce que les utilisateurs vont faire les requêtes sur la base de données. Voilà, ce sont deux mondes qu'on va essayer de garder de manière la plus indépendante possible. Et donc, pour garantir cette indépendance, le système de gestion de base de données va faire une couche intermédiaire entre les deux, entre cette partie bas niveau, si vous voulez, qui va se charger de la mémoire, du stockage, etc., et la partie logique, qui est donc plus du côté de l'utilisateur ou de l'administrateur, qui vont faire des requêtes pour demander de l'information ou faire des requêtes pour changer la structure de la base de données. Mais voilà, donc on essaie de garder cette indépendance-là. Et qui se charge de garder l'indépendance, ça va être le système de gestion de base de données. Voilà, donc, ce concept-là, le concept d'abstraction, est lié à ce que je viens de vous présenter et est également lié aux informations sur les différents types d'utilisateurs qui vont intervenir dans une base de données. C'est encore une fois un concept très important. Donc, tout d'abord, on va avoir des utilisateurs qui vont interagir sur un niveau externe. Alors, ces utilisateurs-là, auront principalement deux types d'opérations, deux types de transactions à faire. Alors, ces transactions-là seront des transactions de lecture. Donc, on va pouvoir accéder à la base de données pour lire des informations directement ou des opérations de requête, mais des requêtes de lecture. Donc, on peut vouloir, par exemple, filtrer, si on reprend l'exemple des médecins, filtrer tous les noms des médecins qui interviennent en cardiologie, par exemple. Donc là, on fait une requête sur la base de données pour filtrer uniquement les médecins cardiologues et extraire uniquement leurs noms. Voilà. Et donc ça, c'est des utilisateurs qui agissent d'un point de vue externe, qui ont juste les droits de lecture ou de lecture avec requête, si vous voulez. Ensuite, on va avoir des utilisateurs qui vont avoir un peu plus de droits, qui vont être typiquement les administrateurs ou les designers, qui vont agir sur le niveau conceptuel. C'est-à-dire, déjà, si on regarde l'administrateur va être capable non seulement de lire des informations en faisant une requête, mais ils vont être capables également de modifier les informations, donc d'effacer par exemple des médecins dans notre base de données de l'hôpital ou d'en rajouter de nouveaux, mais également de rajouter par exemple une toute nouvelle catégorie. Par exemple, je ne sais pas, à un moment, ils commencent à recevoir des médicaments, donc ils peuvent créer toute une nouvelle catégorie de médicaments dans la base de données qui vont pouvoir gérer un ensemble d'objets. Voilà. Et le designer, ça va être la personne qui va se charger d'établir une première base de données. Donc, imaginons, il y a un hôpital qui a des données, mais qui ne sont pas structurées en base de données. Il fait appel à un designer qui, lui, va venir et va concevoir la base de données, va dire, je vais séparer les données de telle et telle façon, je vais modéliser les données de telle et telle façon, afin de créer la base de données. Et donc voilà, là c'est un niveau plus conceptuel, avec des droits évidemment beaucoup plus importants que celui de l'utilisateur. Et il y a un dernier niveau, c'est le niveau le plus interne, c'est le niveau de stockage. Donc en interne, comment sont stockées les données, comment sont stockés les fichiers, comment sont indexées les informations. Ni le designer ni l'administrateur vont vraiment être amène à toucher ces fichiers-là. Ce sont des fichiers qui vont être créés, qui vont être gérés par le système de gestion de base de données et qui ont été établis, si vous voulez, ou dont la gestion va être établie par les personnes qui ont créé le système de gestion de base de données et dont l'administration, dont la gestion va être transparente
pour ces autres utilisateurs-là. Voilà. Alors, si on regarde, donc, je vous avais dit que pour les systèmes de gestion de bases de données, on avait plusieurs propriétés et que ces propriétés-là, les propriétés acides, n'étaient pas toujours respectées par tous les systèmes de gestion de bases de données. Également, je vous avais dit, il y a cette espèce de trade-off entre on structure les données de telle sorte à ce qu'elles ne prennent pas trop d'espace en mémoire, ou ce n'est pas grave, elles peuvent prendre de l'espace en mémoire, mais en contrepartie, on veut qu'elles soient très rapides. Donc, vous voyez, il va y avoir plusieurs types de gestion de bases de données avec différentes caractéristiques, différentes propriétés qu'on va devoir utiliser en fonction de nos besoins. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les principaux types de systèmes de gestion de bases de données? Alors, le système de gestion de bases de données historique par référence et qui reste encore le plus utilisé, c'est des systèmes de type SQL. Peut-être ceux qui ont fait le FIMI, vous avez déjà pu voir le SQL, ou peut-être par ailleurs les autres. Donc le SQL, c'est le système de gestion ou les systèmes, disons, qui utilisent des langages proches du SQL sont les systèmes de gestion classiques par référence, et c'est ce qu'on appelle des systèmes de gestion de bases de données relationnels. D'accord ? Comme je vous le dis, ce sont les systèmes les plus importants, les plus présents, les plus utilisés. Et donc, on va s'attarder là-dessus. On va vraiment étudier ce système de gestion-là, sachant qu'il y en a d'autres systèmes de gestion de bases de données qu'on appelle NoSQL, juste par opposition à ces systèmes classiques relationnels qui reposent principalement sur du SQL, et qui veut dire, en fait, NoSQL veut dire Not Only, N-O pour Not Only SQL. Et il y a toute une panoplie de systèmes de gestion qui appartiennent donc à cette famille NoSQL et qui appartiennent eux-mêmes à différentes sous-familles, si vous voulez. Donc, NoSQL ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça veut juste dire que ça ne rentre pas dans le cadre classique des bases de données qu'on appelle relationnelles et qui repose sur du SQL. C'est juste ça, en fait. Mais à l'intérieur, il y a un grand nombre de familles de systèmes de gestion de bases de données qui, eux, vont avoir des caractéristiques et, eux, vont avoir un sens, un vrai sens sur le type de systèmes de gestion qu'ils vont englober. Le NoSQL, à un moment, mais je pense que même maintenant, c'était un concept un peu à la mode. Mais il faut savoir que si on va choisir une base de données, on ne va pas choisir une base de données NoSQL juste parce que c'est plus nouveau qu'une base de données relationnelle. On va choisir notre système de gestion en fonction des besoins qu'on a. Voilà. Et si on regarde les systèmes de gestion NoSQL, on en a plusieurs. On en a quelques-uns qui se basent sur un système de clés-valeurs, comme vous avez peut-être vu en Python. Lorsque vous avez un dictionnaire, vous avez une clé et une valeur associée. Là, donc, ça sera des systèmes de gestion qui vont reposer sur des principes similaires avec des clés et des valeurs. Des systèmes de gestion qui reposent sur un stockage qu'ils appellent en colonne ou en colonne élargie. Voilà. Des systèmes de gestion qui sont plutôt axés sur des documents, donc qui stockent les informations sous forme de documents. Des systèmes de gestion qui stockent les données sous forme de graphes. Ça, c'est un système de gestion assez intéressant.
qui permet par exemple de stocker par exemple des réseaux sociaux par exemple vont pouvoir être amenés à utiliser ces systèmes de gestion où chaque entité, par exemple chaque utilisateur dans un exemple de réseau social sera une entité. Voilà. Et ensuite, on va modéliser les relations entre les entités. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire avec un système de gestion de base de données relationnelle et qui va avoir des caractéristiques intéressantes pour certaines applications particulières. On a également ce qu'on appelle des systèmes orientés objets. Voilà. On a également des systèmes de gestion qui vont être amenés à traiter ce qu'on appelle des séries temporelles, donc des données structurées en temps. Donc par exemple, on va emmagasiner au fur et à mesure du temps, j'en sais rien, par exemple, le niveau de contamination, par exemple, dans différentes zones d'une ville. On va venir mesurer certains contaminants, par exemple, et ces contaminants-là vont fluctuer en fonction du temps. Donc, il y a cette dimension temporelle qui est forte, et dans ce cas-là, on va pouvoir être amené peut-être à utiliser un système de gestion de base de données spécialisé sur les séries temporelles. Mais voilà, cet ensemble de systèmes de gestion à une application assez particulière, que ce soit les documents, que ce soit les graphes, les séries temporelles, etc. Alors, si on regarde, donc là, je vous ai mis deux sites. Il y a deux sites qui vont... donc, il y en a évidemment plein d'autres, mais ces deux sites-là que je vous ai mis là vont pouvoir... vous donner des informations plus précises sur certains types de bases de données qu'il y a, certains types de gestion de bases de données, et est-ce qu'ils sont de plus en plus utilisés dans le temps ou pas. Ça peut vous permettre d'avoir un autre indice, en plus de l'application, de vous dire, OK, par exemple, j'ai besoin d'un système de gestion à base de graphes. J'en identifie deux ou trois qui font ça et je regarde en même temps s'ils sont plus utilisés maintenant, s'ils le sont de moins en moins. Et donc ça peut vous permettre d'avoir des informations intéressantes pour choisir ce système de gestion ou pas. Par exemple, si on a un système de gestion que personne n'utilise maintenant, qui à un moment était utilisé mais que personne n'utilise maintenant, ça veut dire que c'est un système que... pour une quelconque raison, n'est plus très adapté ou qui n'est plus très bien maintenu. Donc, il vaudrait mieux ne pas l'utiliser, par exemple. Donc voilà, ça, vous pouvez jeter un œil aux différents systèmes de gestion de base de données qu'il y a et à leur place dans ce score-là d'utilisation qu'ils ont développé dans ce site-là qui s'appelle DB Engines pour Database Engines. Donc, si on regarde, donc ça, c'est une vieille capture de 2018. Donc, évidemment, les choses ont changé. Là, j'avais sélectionné à l'époque différents types. Donc, MySQL, par exemple, c'est le système de gestion de base de données relationnelle reposant sur du SQL par excellence. Vous voyez bien qu'il est... Donc là, on est en échelle logarithmique sur ce score-là. C'est vraiment le système le plus utilisé et qui reste... très utilisé dans le temps. Vous voyez, entre 2013 et 2018, il est resté très, très, très utilisé. Voilà. Et même maintenant, il le reste. Et ensuite, vous avez d'autres systèmes que j'avais mis qui appartiennent à différentes familles. Par exemple, Neo4j, ici, en noir, ici en bas, c'est un système de gestion pour à base de graphes, voilà, et qui a pris de l'ampleur, vous voyez, en 2013, il n'était pas très utilisé et qui a pris un peu plus d'ampleur en fonction du temps, voilà, donc au fur et à mesure des années. Voilà, j'en avais sélectionné quelques-uns de différentes familles. SQLite, par exemple, c'est le système de gestion qu'on va utiliser en TP, ou en tout cas dans les premiers TP, et qui reste pareil. C'est un système à base de SQL également.
qui est plus léger, si vous voulez, d'où le nom light à la fin, et qui est utilisé dans plein de dispositifs mobiles, dans les téléphones ou des choses comme ça, donc qui est très utilisé et qui, vous voyez bien, il reste très utilisé au fur et à mesure du temps. Et c'est encore un système de gestion à base de SQL. Donc, si vous faites la somme, il y en a d'autres encore, si vous faites la somme vraiment de ceux qui reposent sur du SQL, vous voyez bien qu'il n'y a pas photo, ce sont les plus utilisés vraiment. Et vous en avez bien d'autres ici, mais qui sont moins utilisés et qui vont avoir des applications bien plus précises et qui reposent donc sur ce concept de NoSQL pour Not Only SQL, qui repose sur d'autres paradigmes. Alors là, voilà, c'est dans ces mêmes sites, vous avez bon, c'est juste, donc là on a l'aspect temporel, et là vous avez un ranking au moment donné, avec est-ce qu'il prend ou il perd en importance, et ici l'information la plus importante, c'est le modèle de la base de données. Donc là, vous avez des modèles relationnels, donc ceux qui reposent sur du SQL. Et vous voyez, donc ça s'est fait en 2018, mais ça reste, je suis sûr que ça reste le cas maintenant. Les modèles relationnels, donc ceux qu'on va étudier en cours, restent le plus important. Voilà. Donc les quatre premiers sont des systèmes de gestion de base de données relationnels, et d'ailleurs qui reposent sur du SQL. SQL, SQL, SQL. Et Oracle, c'est la version, c'est une autre version de MySQL. Voilà. Mais c'est quasiment la même chose en fait. Ensuite, vous voyez ici, donc, en 2018, vous aviez un système de gestion à base de documents qui s'appelle MongoDB, qui est encore très utilisé. Vous regardez juste après, encore un système de gestion relationnel. Voilà. Et bon, ensuite, vous en avez d'autres, mais si vous regardez les 10 premiers, parmi les 10 premiers, la plupart sont des systèmes relationnels. Voilà, pour vous montrer un peu l'importance de ce type de système de gestion qu'on va étudier en cours. Alors, peut-être juste, donc on arrive vers la fin du cours d'introduction. Juste avant de passer au cours suivant, je voulais vous présenter très brièvement le cycle, ce qu'on appelle le cycle de vie d'une base de données. Alors, le cycle de vie d'une base de données va intégrer différentes étapes. Donc, la première étape, ça va être la définition des spécifications. Donc, on imagine qu'on est dans une structure, par exemple, qui veut se faire une base de données qui n'a absolument rien. Donc, on a un hôpital qui a des données qui sont stockées en vrac, dans des fichiers, voilà, et qui ne sont pas structurées en base de données. Et la structure en question veut créer une base de données. Alors, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? La première chose, ça va être de définir les différentes spécifications. Quelles sont les applications pour lesquelles seront utilisées ces informations-là, dans quel contexte on va devoir utiliser on va devoir accéder aux informations. Voilà. On va définir les spécifications, quels sont nos besoins, en gros, qu'est-ce qu'on veut. En fonction de ça, qu'est-ce qu'on veut modéliser, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important. En fonction de ce qui est vraiment important, on va définir le modèle conceptuel, et on va voir comment créer un modèle conceptuel à partir de spécifications, ça on va le faire juste dans le cours suivant. Ensuite, à partir de modèles conceptuels, on va créer un modèle logique. On va devoir choisir notre système de gestion de base de données. On va implémenter la base de données. Et la dernière étape, ça va être juste la maintenance et l'utilisation. Voilà. Donc là, on a vu en gros cette partie-là, comment est-ce que, enfin, de manière très grossière, on a vu quelles questions on doit se poser pour choisir un système de gestion de base de données, typiquement les propriétés acides, les types, voilà, par exemple, les types de modèles de database qu'on va vouloir avoir,
Je vous ai montré quelques sites qui pourraient vous être utiles pour choisir la base de données. On va voir, on va creuser un peu plus là-dessus après. Ensuite, les spécifications et le modèle conceptuel, on va le voir tout de suite, comment définir ça. Le modèle logique, on va le voir après, dans le cours suivant. Et la maintenance et l'utilisation, une fois que la base de données est remplie. Alors pour la maintenance, on ne va pas trop voir ça. C'est plus le rôle d'un administrateur qui va être amené à rajouter, par exemple, l'histoire des médecins, rajouter un nouveau médecin, éliminer des médecins. C'est juste le fait de mettre à jour la base de données. Ça sera juste le rôle de l'administrateur et l'utilisation. Donc, ces deux choses-là, on va les voir lors des TP. D'accord? Donc, on va mettre la main dans la pâte, on va avoir une base de données, on va essayer de créer la base de données, donc de la remplir, et ensuite de faire des requêtes là-dessus. Donc, voilà pour le cycle de vie, pour les étapes importantes pour créer la base de données. Et juste un devoir que je vais vous faire faire, mais peut-être on pourra faire en cours en fonction du temps. Je vais peut-être vous laisser un peu de temps, peut-être vers la fin de ce cours-là, au début du cours suivant, vous allez pouvoir faire des groupes de 5 étudiants, choisir un système de gestion de base de données NoSQL. Évidemment, comme il y a tellement de systèmes de gestion NoSQL, étant donné que vraiment, donc on n'a pas beaucoup d'heures et que le principal reste les systèmes relationnels, on ne va pas rentrer dans tous les types de systèmes de gestion NoSQL. Donc, une façon de vous montrer la diversité de systèmes de gestion et des applications qu'il y a, c'est de vous mettre en groupe d'étudiants, voilà, et de vous faire préparer une toute petite présentation de 5 à 10 minutes. Voilà. Là, ça sera plutôt de 5 minutes, étant donné qu'il y aura plus de groupes. Et donc de présenter quels sont les concepts vraiment principaux d'un système de gestion de base de données que vous allez choisir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut présenter dans ces 5 minutes? Voilà, donc c'est 5 minutes de présentation, donc ça ne vous prendra pas énormément de temps. Le but, c'est de présenter à vos camarades quels sont les principes de base, voilà, de ce système de gestion. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système de gestion de base de données? Quel est le champ d'application? Pour quel type d'application est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Et peut-être vous pouvez mettre quelques liens ou des ressources utiles. Voilà. Essayez de voir cette présentation que vous allez faire à vos camarades vraiment comme ben voilà, j'ai un petit peu de temps. Je fais une petite revue sur tel système de gestion de base de données et je présente à mes camarades. Et à la fin, je vais donc avoir un petit ensemble, des petits résumés, si vous voulez, de plein de types de systèmes de systèmes de gestion de base de données NoSQL que je pourrais, à un moment, par exemple, en stage, ressortir rapidement pour voir quels étaient les principes de base, les avantages et les inconvénients, les champs d'utilisation et peut-être des liens pour en choisir un si jamais je dois en choisir un pour mettre en place pour un stage, par exemple. Donc là, je vous ai mis quelques liens possibles. MongoDB, Cassandra, Redis, HBase, Neo4j, c'était celui à base de graph, CouchDB, etc. Donc, vous pouvez jeter un œil à ce site-là pour voir d'autres systèmes de gestion qui sont intéressants. Voilà, ne choisissez pas des systèmes qui sont... très obscurs, que personne ne connaît ou qui sont très peu utilisés. Essayez de choisir des choses utiles pour vous et pour vos camarades. Et donc, l'idée, ça sera de faire voilà, des petits résumés, si vous voulez, qui pourraient être utiles en pratique pour vous. D'accord? Donc, on va voir en fonction du temps qu'on a. Donc, c'est pas nécessaire qu'on le fasse... maintenant, mais on va voir en fonction du temps pour voir si vous pouvez le faire en cours, comme ça vous enlèvera un peu de travail, et sinon voilà, vous allez pouvoir le faire rapidement
Et vous allez faire la petite présentation pendant la séance de CM. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui. Et c'est pour quel jour? Alors, on va voir l'emploi du temps après pour définir une date. Mais on va le faire, si vous voulez, à la fin de la classe pour voir. Vous avez d'autres questions, sinon, sur le cours lui-même, peut-être? Au premier abord, ça a l'air clair. D'accord. Donc, je vais fermer ça. J'arrête.